grande Daniele, urla in fan. Ça amortit le... Déjà, c'est un rallye qui me tient toujours à cœur parce que ben voilà, c'est en France, il y a beaucoup de supporters, il y a beaucoup de gens au bord des routes qui m'encouragent et qui ont envie que je gagne, donc j'ai envie de gagner pour eux aussi. Mais globalement, ça a été un rallye en plus très piégeux le premier jour, le troisième jour. Depuis, c'est plutôt un rallye asphalte, donc on a eu un peu toutes les conditions et de finir par gagner ici, en plus avec la Power Stage aussi, c'est un grand moment. Like you said, not so difficult because for me it's easier to drive a bit carefully on a dry tarmac rally than in the snow. So I was feeling very well with the car, so it was no big pressure. I already immediately find the right rhythm to take, so it was okay. Yeah, it's a good start. I'm really happy with this, and you know, it was a difficult rally to start, and especially the first 2 days, the conditions over there were very tricky. So I think it was better just to take it a bit easier over there, make sure I don't make any mistakes, and because at least when conditions were better, pace was better as well. So I'm very happy with this. Le point clé de ce rallye, ça a été la gestion déjà des équipages, des conditions difficiles, de savoir attendre le bon moment, et puis aussi le choix des pneumatiques. Il y a eu un très gros travail de l'équipe sur des prévisions, sur des études de cas, et je pense qu'on a fait la différence comme ça.